petit vlog. Mon garde-robe est ouvert. Flûte. Je recommence. Petit vlog, un week-end au chalet. Ça commence par quoi? Bon. J'ai fait mon lit. Ensuite. Oh non, Simone est couchée. Simone, tu veux-tu aller faire du bateau? Tu veux-tu aller faire du bateau? Ouais, prête. Bien, ça traîne sur le divan. Mathis, tu veux-tu ramasser tes couvertes sur le divan, s'il te plaît? Non. Oui! Ah, c'est qui s'en va faire du bateau? C'est moi, toi et elle. On a nos vestes de flottaison. On part en kayak. Yay! Crème solaire, pas le choix. Bien. Le kayak est prêt. Moi, je mets des petits tapis dedans. Bien. Simone, elle embarque tout de suite. Elle connaît sa place. On se revoit sur le lac. Eh oui! Simone! On est parti en kayak, les amis. Oh, Simone, t'es belle. On va aller regarder les poissons. Les nénuphars, puis on a aussi un barrage de castors. On va aller voir ça. On part, les amis. On est rendu dans la zone où il y a plein de nénuphars. Donc ici, c'est ma zone préférée. Là, on est au début de l'été, hein, je vous rappelle, on est au début juin. Donc, il n'y a pas beaucoup de nénuphars. Simone, arrête de bouger. Il n'y a pas beaucoup de nénuphars, mais vers le milieu de l'été, on ne peut plus naviguer en petite embarcation ici parce qu'il y a trop de nénuphars. Là, vous voyez ici la berge. C'est une forêt vierge, donc il n'y a pas d'habitation ici. Et juste un peu plus loin, vous allez voir une zone d'arbres morts. Il y a un petit canal où je rentre en kayak et je vais aller voir le barrage de castors. Bon, regardez, on voit le fond de l'eau. Je suis capable de voir les poissons. C'est superbe. Ah, Simone! Je sais pas si on nous voit. Moi puis ma Simone. Oh, c'est le fun. On s'en va là. On est arrivé à l'embouchure. Et là, avec le vent, mon kayak tourne. Donc voilà les arbres morts. L'embouchure est juste là. Mais il y a juste moi qui pagaie ici. Et Simone, c'est encore moi qui fais tout le travail. Il là là. J'ai encore la main là. Coucou! Bon, Simone, elle s'accote sur moi, la grosse fille. Elle est magnifique, cette chienne-là. Puis là, j'y flatte son gros nez. Bon, là, j'ai mis un doigt dans la bouche. Coucou! Elle, là, super bien. La dame, elle fait rien, puis moi, je pagaie. Ah ouais, on y va! On arrive dans l'embouchure de mon endroit favori. Ça m'aurait pris un support dans le kayak. C'est pas mal fatigant, ça. Mais le téléphone, puis ramer en même temps, c'est pas facile. Bon, le vent pousse, faut dire, là. Mais ça ici, là, c'est mon endroit favori. Et ma belle-sœur, avec plus de 30 ans qu'elle habite ici, n'avait jamais vu ça. L'embouchure mène à la maison des castors. Bon, là, il y a un oiseau fâché là. J'adore, c'est mon coin favori.
On va en profiter de ce moment-là ensemble. Et cette année, pour la première fois, je sais pas si on va voir dans l'eau, là, c'est fascinant. On voit tout, 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 tout dans l'eau, là. C'est un poisson qui passe, là. On le voit, là. Ça, c'était un pied, je suis désolée. Les fétichistes du pied, abonnez-vous, Simone Collard. Je suis tout le temps du pied, by the. OK. Ah, c'est beau, là. Donc, voilà la maison des castors. Puis à côté, là, comme je vous disais avant de perdre mon idée, on peut passer l'autre côté. C'est la première fois en 6-7 ans que je viens ici, là. Que je vois ça, on dirait que la maison des castors est abandonnée cette année. Je comprends pas, ou c'est parce que l'eau est vraiment trop basse, puis pour qu'ils puissent manger les castors, ils ont laissé l'eau passer, je ne sais pas. Là, pour Zazu, je cherche un nénuphar avec une fleur ouverte. Bon, ici, là, il y en a plein des nénuphars. Mais ils ont toutes les fleurs fermées. Bon, ici, il y a une branche. Vous voyez qu'on est vraiment... Il n'y a pas beaucoup d'eau. Là, je vais frapper la branche. Ouais, j'ai glissé. Ça va, ça va. Regardez-moi ça, si c'est beau. La maison de ton doigt. Des castors. Puis, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Donc là, je vais traverser. On va essayer avec une main. Et l'autre côté, là, c'est la région sauvage. Bon, je suis pris. Avec tous des petits chemins que les castors se sont faits, c'est fascinant. On tourne, toi. Simone, reste avec moi, là. Attends pas, mon bébé chien. On est pris dans quelque chose, hein, Simone? Oh. Ici, c'est la tranquillité absolue. Là, il y a un petit monticule. Puis habituellement, là, je sais pas, parce que l'eau, elle a baissé encore, je réussis à passer dans le petit canal, là, d'eau. Puis je retourne au lac. Et là, je sais pas si je vais réussir à m'y rendre. La tranquillité absolue. Ici, il faut pas se baigner, hein? Il y a des sangsues. Moi, j'appelle ça la fosse au sensu. Ça ici, c'est le petit chemin qu'on vient d'arriver. Simone, bouge pas, mon petit pétard mouillé. Oh là là! Simone? T'as-tu hâte de faire du colo, mon amour? Simone? T'as-tu hâte de colo? Moi, j'ai hâte de colo, les amis. Je termine le coloraton de ma copine Clanadia. Son illustration, j'ai fait la peau hier. Il me reste les yeux à terminer. J'ai hâte de vous montrer ça. Et je veux finir les citrons dans le sagar Oxagner. On se revoit plus tard pour la section colo de ce vlog palpitant. Ouf! Nous sommes dans une tempête de vent. Et oui, j'ai trouvé enfin un nénuphar. Zazu, il n'est pas ouvert au complet, mais je vais te le montrer. Sauf que là, là, regarde bien ça. Attends. Il est loin, le nénuphar, parce que le vent souffle tellement fort qu'il me pousse. Je vais m'approcher, là, puis je te montre ça. Mais ici, là, j'en ai des petites boules de nénuphar qui ne sont pas ouvertes encore. Et là, là, le vent me pousse. Mais regardez-moi ça, c'est un vrai jardin dans l'eau. Les nénuphars, là, ils ont des feuilles rouges. Et c'est comme un jardin dans l'eau. C'est fascinant. Moi, je me fais carrément pousser. On va aller rejoindre le nénuphar. On s'éloigne, fille. Bon, normalement, là, le vent va me pousser, mais je pense qu'il va me pousser trop loin du nénuphar. Très peu, là. Simone, comment qu'on va faire? On est pris! Le nénuphar, il est loin!
le vent bien raide. Attends un instant, là, je fais un zoom sur le nénuphar. Là, Zazou, je fais tout pour que tu puisses voir le nénuphar. Je suis là, Zazou. Je suis trop proche. Je vais tout faire pour ma Zazou. Alléluia! 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 Je pile dessus. Flûte. Les petites boules de nénuphar. Pas ouvert. Et c'est reparti pour un tour. Le vent est trop fort. Un retour sur le quai. Timon, va-t'en pas, bébé! Bon ben! De retour sur le quai, il vente. Le retour n'a pas été facile. Et non, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. Bien, Simone vient vous dire un petit coco. Je veux vous montrer, il y a des... il y a des outardes qui s'en viennent avec les petits bébés. Donc, on va essayer de zoomer ça pour vous les montrer. Simone qui fuit le quai en silence. Pas moi! Elle! Je vais essayer de zoomer. Est-ce qu'on voit les petites outardes là-bas avec leur gang de petits bébés? Donc, mon zoom est au maximum. C'est pas facile. On va souhaiter qu'ils viennent nous voir. Donc, papa, maman, outarde avec... il y a pas loin de 7-8 petits bébés. Viennent souvent sur le quai. Ils n'ont pas besoin de forcer fort, hein? Le vent les pousse. Les petits bébés sont cachés entre papa et maman. C'est beau la vie! Je voulais te tourner un petit segment coiffure de Simone. Et oui, je voulais vous montrer la superbe toison de ma Simone d'amour. Et qu'est-ce qu'elle fait quand je la peigne? Vous allez voir, c'est fascinant. Qu'est-ce qu'elle fait quand je la peigne? Rien! T'es un beau chien! Une belle petite queue en chouchou comme mon chien. T'es belle! De la laine de canif. On fait-tu tes pieds? Oh là, elle aime pas ça. Oh là, elle aime pas ça. Oh, là, elle aime pas ça. Mais Simone est fâchée. On fait ça le soir d'habitude parce que quand elle est fatiguée, sinon, j'ai de la difficulté à faire ses petits pieds. Oh, oh, je suis encore dans le Sagan Oxagner. Et je termine cette petite page des citrons. Je voulais vous montrer comment je protège mes colos maintenant. Je ne fixe plus. Donc, je fais juste mettre un petit papier de protection que j'ai coupé, tout simplement. Donc là, ce que je fais, c'est mettre du noir. Prismacolor. Donc, ce que je fais, c'est mettre du noir Prismacolor premier, ici, tout le tour de la fenêtre. Et je mets plus large en bas. Pour faire un petit effet de contour et d'intérieur, les animaux et de noirceur à l'intérieur sur chacune des fenêtres.
Ensuite, pour terminer, je vais prendre mon Posca noir PC1MR pour venir refaire l'intérieur de la fenêtre. Donc, j'y vais. Essaye d'être droite, Simone. C'est tout proche. Ça paraît plus. On va en mettre plus grande la fenêtre, c'est tout. Il n'y en a pas de souci. Chez Simone Color, il y a juste des solutions. Bon, on veut avoir ça plus propre. Je relève les barreaux. Et voilà, la petite fenêtre est terminée. Oh, 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 ça va bien! Regardez le travail sur la branche. Un peu de noir, un peu de blanc, un peu d'ombre ici. Et l'affaire est ketchup. Bon, on continue. Ici. Pour mettre un peu de gaieté, feutre acrylique. Et je vais mettre un peu de couleur sur ces fenêtres-là. Bien. Mais c'est parce que je fais une vidéo, là. Les jeunes ados. Deuxième fenêtre. Je suis pas obligée d'en mettre partout. Ça va juste donner une petite dimension intéressante au citron. Ce qui va me rester à faire, c'est les ombres du citron et la lumière. Ah ben, je veux mettre de l'ombre sur mon citron. Pourquoi pas prendre les feutres acryliques point brush? Moi, je les aime bien. Abonnez-vous, Simone Collard! Bon, je recommence. Pour faire les ombres sur mon citron, j'utilise trois couleurs. Je pars de la plus foncée en bas et avec le moyen de faire des petites lignes, je termine mon dégradé pour venir ici tout simplement et former une belle forme de citron. Moi, je le trouve beau, mon citron! Là, les jeunes d'aujourd'hui.